Pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour retrouver la présidente Paddock à Los Perdidos. Nous nous rendons à présent à la conférence de presse tenue en ce moment même par le secrétaire d'État à la Défense, l'ancien général John Hemlock. Elle a déjà commencé, veuillez rester avec nous. Nous ne sommes pas encore en mesure de confirmer l'origine de cette épidémie. Mais il est fort probable qu'elle ait été déclenchée par un infecté illégal, une personne inconsciente qui ne portait pas de puce. Espérons que cette tragédie servira de leçon à tous les Américains. L'implant des puces Zombrex, c'est la loi. Los Perdidos a été mis en quarantaine pour protéger les gens aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, jusqu'à ce que la présidente soit retrouvée. La menace de contamination reste très élevée. C'est pour cela que dans 6 jours, quand nous serons sûrs que tous les survivants auront été sauvés, nous n'aurons pas d'autre alternative que de larguer une énorme bombe incendiaire pour détruire toute trace de vie organique dans le périmètre de la ville. C'est pas vrai! Mais moi aussi, je suis organique et je suis là! Tous les civils sont invités à aller se présenter à un poste de quarantaine militaire afin d'être pucés et évacués. On m'informe qu'une liste des postes sera diffusée prochainement. C'est pas vrai! Le poste de quarantaine est à Production Bridge, quelle merde! Comment tu veux qu'on aille jusque-là? On peut pas y aller à pied et en bagnole, ça craint aussi! On peut réparer un de ces trucs. Ou les deux. Bricoler l'un avec l'autre. Les combiner pour en faire un plus solide. Ouais, je viens d'avoir la même idée. Suffit de s'y mettre. Vois ce que tu peux faire, petit gars. Mon chou. Waouh! Tu vas pouvoir en faire d'autres en cours de route maintenant que tu sais comment faire. Direction le poste de quarantaine. Génial! J'aurais dû faire ça il y a longtemps. C'est une sacrée bagnole, mon chou! Allez! Quarantaine, vite!
Un pic. Je sais pas si c'est super. Tu es une artiste, hein? Hein? De me débrouiller. Mais merci de vous assurer.
pas, j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Putain, on est bloqué. Il va falloir traverser cet endroit à pied. Merde. Ok. Maintenant. Dire que la situation est pire qu'on le croyait. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti! On fonce! On va tirer sur tout ce qui bouge! Allez, chérie! Ouvre les farouches! Laisse-la! On va s'éclater un max! Tu sais comment je les aime, Belle! Oh, c'est sexy! Comment je les aime, Clyde? Ouais, jeune, débile et pleine d'heure! Dégueulasse de là! Hé, je t'avais dit de laisser! C'est la meuf!
tu sais vraiment pas à qui t'as offert. Elle m'a bougie à l'œil. Merde, je crois bien que m'a remis les couilles en place. La garce. Hey. J'en ai ras-le-bol de courir après vous deux. Je vais t'arracher les tripes, gamin. Ah ouais, t'es dans la merde, petit. Oh oh. Éclair! T'es foutu, mec! Voilà le patron! Oh bordel! Qu'est-ce qu'on a là? De la chair fraîche? Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Ça vous plaît ce petit dessert ou pas? Plus aucun militaire! Plus aucun policier pour nous mettre des bâtons dans les roues dans cette ville! Y'a plus que... Y'a plus que notre petite île privée. Je crois qu'on devrait se calmer, mon vieux. Ouais! C'est parti! Thank you.
conscient. Tu vas d'abord souffrir et puis tu vas mourir. Tu repartiras d'ici dans un cercueil. Oh Nick, oh bon sang, tu nous as sauvés. Hey, ça va pas mon chou? J'avais encore jamais tué personne. Enfin, j'ai tué des zombies, mais ils étaient déjà morts. J'avais jamais tué d'être humain. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose d'autre. T'avais pas le choix. Ils nous auraient tués, ou pire. Nick, écoute-moi. Il faut qu'on se barre de cette ville. Soit on fuit, soit on meurt. On n'a pas le choix. Il n'y a qu'une solution. Ouais. Fuir ou mourir. On y va.